Rentre dans un bar au hasard, un rat de crasseux jaunit à la gauloise. Les discussions s'arrêtent, une assemblée de poivrasses me toise. Accoudé au comptoir, plus de 6 bières au compteur. Cette grosse brochette de naze me prenne tête pour un stud. On entend les mouches voler, les blattes canées de leur métastase. Des règles jrodaf qui vont me chercher des noises. Je me dirige vers le jukebox, attifé de néon bleu et rose. Et soudoie sa fente de catin contre un air de jazz. J'installe ma grande carcasse au-dessus du ruban de zinc auréolé. Avec l'intuition et l'impression que la situation va devenir olé olé. Le gilet noir qui porte sans doute le deuil de son amabilité se dirige vers moi et me demande sèchement ce que je désire. Ingurgité. Je lui dis ferme ton claque merde et serre-moi un sky et des cahuètes. Là il me balance une droite qu'avec le cendrier j'arrête. Je saute par-dessus le comptoir tel un Cosmo 4. S'attrape le magnum de pastis et lui fracasse sur le coin de la gueule. Le larbin pisse le sang et queen sa mère tandis que les piliers meurluquent tous de travers. J'espérais que ça serve d'exemple. Mes moustaches, le justicier de service dit qu'il va me foutre une trempe. Lui fait tire ta merde de là avant que je te foute la gueule comme ton cul. Le gars ne bluffe pas, il me sort sa carte de l'ardu. Généralement, y'a le calibre spécial chemiture qui va avec. Mes moustaches est un cow-boy et me braque d'un 357. Ni une ni deux, je sors mon nœud et commence à pisser sur sa perte sans jack de Razdep. Il me dit arrête tout de suite ou je te fais exploser la tête. Emballe ton engin et enfile donc ses menottes. Il répond minute papillon, faut que je me jette un sky. Je règle l'addition de gentleman et après promis on se taille. Il me dit ok, parce que pour toi c'est le dernier avant long time. Donc j'hésite entre Giblard et Ballantines. Ce poivreau s'enfile en jaune cul sec sans l'avoir noyé. Dans deux minutes c'est sa pouliche qui va la remoyer. Il me tient en joue, son regard dans le mien, tout en préparant mon jus à une seule main. Me v'la servi, moment choisi pour m'allumer une tige. Le liquide et l'allumette voltige, le type pige mais trop tard. Le gus s'enflamme tout en se mettant des gifs balèzes. Je me pâme, récupère son arme et file à l'anglaise. Prends le métro, grave le brolic dans mon fut. Direction l'Assemblée nationale ou chambre des putes. La Jessica gasse un journaleux d'un coup de crosse dans le tarin. Lui tu raves sa carte de presse, ça fera moins de baratin. Je m'installe parmi les parrains dans l'hémicycle. Les dévisages un par un, ça y est, je vais commencer mon cirque. Je me dirige vers l'oratoire pour couper court à leur discours. Leur président un bâtard me demande mais qui êtes-vous? Un peu de respect fiston, moi je suis ton père. Car sache que ta mère avait une chatte à la place du cœur. Le gus met à chialer, je lui dis piaille pas connard. Crache donc ta brette et ton larfeuille dardard. Le côté gauche du bâtard d'Audrome rigole de ma vanne crédible. Je leur définis la rigolade, tout le monde raque et vite. Je passe dans les rangs, récupérer le butin. Et cet hiver, ça fera moins de fourrure sur le dos de vos catins. Je tire ma révérence en les gratifiant d'un bras d'honneur. Merci bande de trimards, ce fut un vrai moment de bonheur. Je sors comme je suis rentré grâce au passe de l'autre Gugus. Avant de continuer ma journée, je dépose la fraîche à Emmaüs. Pas le temps de dire ouf, me v'là dans le quartier d'affaires. Compagnie pétrolière chez Fayon et autres raclures. Bien décidé à faire les miennes, je rentre dans le building, prends l'ascenseur. Étage du directeur général, bien sûr. Sa secrétaire, à peine 25 balais. Bombe anatomique de qualité supérieure. M'offre une vue plongeante sur un 95D qui me laisse plus que son jeu. Mais revenons à nos moutons, petite. Appelle-moi le grand patron. Dis-lui qu'il faut qu'on jacte et que j'ai pas son temps pour faire le con. Avec audace, elle me répond que Mister Mécouille est occupé, qu'il faut prendre un rendez-vous, voire même essayer de rappeler. Écoute poulette, t'es bien trop mignonne pour que je t'abîme ta jolie petite gueule de starlette. Alors emballe tes disquettes, allez hop. J'enferme la princesse dans son nouveau palais. Le bureau des technicos de surface, un placard à balai. J'éclate la lourde du boss d'un coup de tatane made in Taiwan. Repose ce phone avant que je t'avoine, Ernest Antoine. Il bafouille et postillonne son haleine pure malte, mais ravale sa langue de hyène à la vue de mon colt. J'appuie sur la détente, la fenêtre part en éclats. Le rond de cuir fait dans son froc et mouffe son coffre, fissa. La bouche métallique du coffre au centre paille. Dentition anarchique de lingots en bataille. Ah bah mon salaud, va falloir passer à la pratique hein. Remplis le sac à dos car on t'éjecte du cockpit. Sans saisir la métaphore, oncle Picsou s'exécute. Croyant sauver sa gueule de porc en m'achetant comme une pute. Il me tend le sac plein, 40 kilos d'or en brique. Je lui dis garde-le ma coupe, c'est le tien. Avec un petit air ironique. Dirige-toi vers la fenêtre que je viens de redécorer. Mao Airlines t'offre ton premier saut en parachute doré.
Là-dessus, je libère la princesse et lui décerne une galoche. Je m'arrache avant que les poulagas ramènent leur ganache. Sur le parvis, je troque la Breitling contre un Bicross Tuning. Je bifurque au grec, j'ai déjà torché tout mon planning. Un quart d'heure après, je me pose sur un banc parigo, déglinguant mon sauce samouraï en observant les badauds. Là-dessus, une jeune fille d'à peine 40 piges me sourit. Je tape un clin d'œil à Bibiche, le front plissé à la bâcherie. En grand prince de la malbouffe, je lui propose de goûter mon Twitch. Elle refuse et me confie que les grecs, c'est pas son kiff. Mais que niveau culinaire, elle est bien plus branchée. Fraises, chantilly et champagne.